Donc j'aurai Minecraftien ici c'est B35 pour vous présenter une création à moi, une map que j'ai faite, une map qui passera entre youtubeurs Minecraftien tel que l'a été à son époque les messieurs Elvia Potatoes ou plus récemment le Lucky Défi entre autres. C'est une map qui est basée sur les achievements de Minecraft. J'ai créé des salles où, qui sont assistées par des command blocks etc. pour pouvoir avoir tous les achievements de Minecraft de la manière la plus rapide qui soit avec un chronomètre et le but sera de se passer entre youtubeurs pour essayer de faire le meilleur score. Donc la map on peut en comprendre le fonctionnement assez facilement et puis de toute façon vous verrez ma performance qui sera pas du tryhard hardcore mais plutôt une performance peaceful où je vous montre un petit peu tous les détails. Il y a quand même tout de même 2-3 règles à respecter. La base, rester dans la zone, on peut casser certains blocs mais pas les blocs autour, faut casser que ce qui est clairement indiqué qu'il faut casser, logique. Et puis de toute façon ça se voit assez bien. Il faut réaliser l'intégralité des achievements, ça semble être la base. Il faut pas cheater, là encore la base. Ne pas passer la map en public, ça par contre c'est important. J'aimerais que vous fassiez attention si vous êtes sélectionné à ne pas passer la map en public, à la garder pour vous et à la passer seulement aux youtubeurs que vous défiez. Et si possible, faites en sorte qu'il n'ait pas déjà été défié. Hein. Et il faudra utiliser uniquement le chrono qui est que j'ai créé in-game pour valider le score. C'est-à-dire que en plus c'est pratique parce que si on crash, le chrono se stop, il se lance en fonction de si on est en partie ou non. Quand on participe, il faudra mettre ses vidéos de participation en vidéo YouTube non répertoriée, tant que j'ai pas homologué en commentaire. Au cas où, hein, je pense que je vous fais confiance, mais bon voilà, dans le doute. Il faudra m'envoyer un message sur Skype aussi, mon Skype est dans la description, pour m'avertir d'une participation avec le lien de la vidéo basique, qui vous a défié, qui vous défiait, ainsi que votre score. Et je pense avoir fait le tour, toutes ces informations sont dans la description. Donc j'ai aussi réalisé dans les salles pas mal de pixel art, plein de petits trucs sympathiques pour égayer un petit peu les performances. Il y a aussi la barre de fin à gérer et et quelques autres trucs aussi. Vous allez voir ça immédiatement, je commence ma performance. Peut-être que je couperai les moments pénibles, mais de toute façon le chrono est fait in-game, donc vous pourrez me faire confiance sur le temps. Allez c'est parti. Taking inventory, je l'ai. On commence directement avec le boa. Parce que le boa c'est bien. Si moi j'avais enroué. Un bloc est disparu. On peut reset. Hein. J'en prends un en plus moi. Normalement ce n'est pas obligatoire pour un map. Mais je préfère prendre des précautions. Je perds un petit peu de temps quitte à obtenir un peu plus de ressources. Donc là je pense que vu les pixel art vous vous doutez de ce qu'il faut faire. Après avoir eu Getting Wood, Taking Inventory, la suite logique, table de craft. Voilà, on a eu la table de craft, donc ici, important, regardez, il y a plusieurs branches, il faut prendre la première, puis ensuite la deuxième, puis la troisième, une fois qu'on a fait la première. Ici, je suppose que c'est assez simple de deviner, là encore. C'est pas fait pour être compliqué comme map, mais c'est fait pour qu'on aille vite, quoi, qu'on tryhard. Hop, ici, un petit détail à savoir. Si on veut crafter le gâteau, c'est bien d'avoir un petit peu les ressources pour. Voilà. Du pain ici. On peut casser ces endroits là vu que il me semble que c'est clairement indiqué que c'est possible. Je m'en fais plusieurs du pain. Parce que comme ça j'aurai de quoi faire quoi. Ensuite on a le très célèbre gâteau avec une salle dont je suis relativement satisfait. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi que je suis assez lent en craft, vous aurez raison d'une. Et de deux, ça va me vexer, donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Et boum. The lie. Le mensonge. Faites gaffe à ne pas louper un achievement, parce que sinon vous devrez en faire certains plusieurs fois. Hop. Deuxième, c'est parti. La map est censée être finie. Et cet essai est censé être le bon. Ça fait deux fois que j'essaye de faire la vidéo, mais à chaque fois il y avait encore 2-3 bugs. Là, ça me semble être bon. Tous les chemins sont clairement indiqués. Toi, tu veux mourir. Hop, j'ai déjà eu Cotipper, mais j'accumule encore un petit peu pour la bouffe. Casse-toi. Voilà. Donc ça c'est basique, c'est pour pas laisser ce monde là sortir. Alors, regardez au centre, qu'est-ce qu'on a? Plein de petits blocs de hay qui repop instant. Instant ou presque. La map est optimisée normalement. Hein. Avant je passais dans le Nether, mais bon ça faisait complètement déconner l'affaire.
Maintenant, tout semble bien marcher, car je profite de cet endroit pour pouvoir faire un petit truc sympathique, c'est-à-dire ça. Normalement, là, niveau beau, j'ai le stock. Bon, veillez à ce que les plaques de pression, enfin, pas les plaques de pression, que les trappes soient fermées. C'est la base. On a un petit cochonou. YOLO. Voilà, donc on a pris cher, mais au moins, on a eu un achievement violet, c'est ça qui compte. Là, il va falloir faire gaffe parce que autant si tuer le squelette n'est pas trop un problème et que ça donne un superbe achievement, faut quand même faire très attention déjà à reposer la torche parce que sinon, même si ce sera rare, ça pourra popper. On a une vision en fait, hein. Donc faut faire gaffe à ça et puis pas se faire tuer parce que la mort est vachement punitive. Hop. Après avoir eu Sniper Duel, la grille se barre par la magie et on peut se casser et la map est entièrement resettable. Ça qui est cool. Alors 2 1 donc je suppose qu'après 2 la suite logique c'est 3. Donc comme vous vous en doutez ici pickaxe. C'est le moment d'avoir time to mine. En fait cette map c'est plutôt un gros rush de Minecraft, de tous les aspects principaux de Minecraft dans des salles en fer. Ici on a de la cobble comme on veut, ça peut être utile d'en prendre pas mal parce que des fois faudra servir de bloc, notamment dans l'Under. Vous verrez plus tard. Oui, il y a tous les achievements sans exception. Donc, attendez-vous à avoir quelques petits combats. Et aussi un petit peu de chemin en rail. Et j'en passe. Oh, une pomme. Mais pour creuser les blocs d'or ici, il va falloir un petit peu de fer comme indiqué avec ce magnifique schéma. Qu'on mange. Alors, donc là va falloir attendre un petit peu. Voilà. Hop. C'est parti. Pioche en fer. Et on peut continuer. Les blocs d'or. Il y en a un de trop au fait, mais c'est juste pour me simplifier les commandes après, pour le reset. Après, ce n'est pas un détail très important. Par contre, s'il y a un jeu où c'est un moment où il va falloir faire vachement gaffe à ce qu'on a dans son inventaire. Par exemple, il faut se débarrasser rapidement des choses un petit peu inutiles. Par exemple, le gâteau ainsi que les sels ou le cuir, ça va pas trop nous servir. Hop, on peut instantanément faire la pomme dorée. Si vous voulez savoir, on peut savoir son nombre de minutes en haut. Et j'ai eu Overpowered, passons du deuxième côté. Le côté le plus intéressant, c'est la branche la plus longue de la map. Ici, c'est une map. Je suis fier de ce pixel art. Je suis fier de mes pixel art, vous pourrez les observer si vous regardez la map un petit peu. Et bon, là, c'est en run, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Hop, voilà. Et j'ai encore un petit peu de cobble en stock, ça peut servir. Ainsi qu'un bloc de coal. Ça peut toujours servir. Même si normalement ce n'est pas nécessaire. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a acquis rasoir exactement. Vous avez tout compris. Pendant que ça cuise, regardez ça, c'est beau. Hein. Je suis fier. Hop, acquis rasoir et on en a un deuxième. Par la même occasion, je voulais faire un truc de pêche, mais bon, c'était un petit peu trop aléatoire. Pour un truc où le but c'est d'aller le plus vite. Mais bon, c'est vrai que certains défis ou qui étaient entièrement basés sur l'aléatoire et le but était quand même d'aller le plus vite, ça marchait bien aussi. Devinez de quoi je parle. Donc là on a deux pickaxes en fer, c'est une petite inattention de ma part. Où est le diamant là-dedans? Je mine au hasard. Oh mon dieu, un diamant! Diamonds! C'est bon, j'ai eu diamonds, c'est cool, non? Moi je suis fier d'avoir eu diamonds. Regardez, un diamant souriant. Et un vieil joueur trop content. Regardez ce qu'on fait. Hop, plein de diamants pour toi. Diamonds to you, tu es content. Allez hop, on va par là. On a une jolie pickaxe. Qui creuse vite. Allez, l'obsidienne, mais là c'est un petit peu accéléré quand même. Ainsi que du diams. On va se crafter une table d'enchant. Si j'étais vous, je m'en servirais pas trop, mais après, vous faites comme vous voulez, vu que vous avez une table d'enchant en main, vous en faites ce que vous voulez. Si vous vous dites un faux raccord ici, c'est pas vraiment un faux raccord en fait. C'est plus comment dire un système de reset intégré.
Voilà, donc là je me fais une hache pour aller un petit peu plus vite. Ouais, si je m'en servais, ce serait bien aussi. Je récolte un petit peu plus de bois, ça pourra me servir, devinez pourquoi. Je pense que c'est clairement indiqué. J'ai mis un quart d'heure à faire ce pixel art, j'ai respecté les dimensions des bouquins et leurs couleurs et tout. C'était fun à faire. Et hop, bookshelf. Et pour la comparaison, hop, prenez un screenshot de ça, et voilà. Vous en savez plus déjà. Diamond Sword. Oh, un zombie dans l'arène. La gueule que tire le zombie ici, j'en suis assez fier, et là l'épée en diams aussi. Je suis vachement fier de cette map, mais elle m'aura pris tellement de temps en termes de bug fixing. Alors, ici, il va falloir avoir un fer de plus. Est-ce que j'ai un fer de plus? J'ai un fer de plus de base, donc ça va. Après, c'est à nous de rationner, hein. Alors là, c'est le passage intéressant, mais obligé de Minecraft. Oh, au dernier, la classe. Vu que je suis un gentleman, je repose le gravier. Et je me crafte le briquet. Et voilà, on a passé le portail par la magie. Aïe. Je me recommande quand même de manger un petit truc parce que la mort... Et faut pas être doué pour la mort, mais c'est punitif. Voilà, il y a encore un petit bug sur la map, je note, mais il va falloir régler ça. De toute façon, vous l'aurez pas, hein. C'est le dernier bug de la map. On va pas trop s'en plaindre. On va pas trop se plaindre du fait qu'il y a encore un petit bug. C'est pas non plus à mort. Par contre, la Netherrack, ça se casse trop vite, si je puis me permettre. Bienvenue en enfer. On y est bien. Allez, viens. Bon, par contre, oui, je suis un gentleman et j'ai du temps à perdre. Donc voilà. Yop, l'alambic. Vous allez voir ce qu'on va en faire, vous vous en doutez sans doute. Vous voyez une belle potion ici, en lave, pas en eau parce qu'on est dans le nether, et l'eau ne peut pas être dans le nether à part avec les chaudrons. Et hop, on a des water bottles à mettre dans l'alambic, en plus de la petite nether wart. Alors, on attend un petit peu. C'est bien d'attendre dans la vie. 11 minutes. Bon, ça va le faire. Alors, local brewery, c'est parti. Devinez où on est ici. Un endroit où il va falloir se préparer. Devinez pourquoi il faudra se préparer pour un combat. Devinez quel genre de combat? Ouais, bon, arrêtez de poser des questions, vous êtes pénible. Donc, 1, 2, 1, je suppose. Attention, un endroit assez intéressant, dont je suis fier. Désert, plaine, océan, on les fait tous dans l'ordre, hein, si possible. Collines extrêmes, forêt, jungle, mushroom, toundra, marais. C'est des biomes miniatures, comme vous l'avez remarqué. Et hop. Et hop, et hop, et hop, et hop. Adventure time. Où de fût? Ah merde, j'ai oublié un petit truc. Ouais, bon là je suis en train de refaire la map, c'est tout. J'ai trouvé tous les biomes, je suppose. Toujours est-il qu'il faut que je mange du pain. D'ailleurs, j'ai profité de cette salle par la présence de lave pour jeter un petit peu tout ce qui ne me sert pas trop. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui ne me servent pas trop. Thunderpearl, je vais pouvoir la garder à l'occasion. Ça, par contre, c'est complètement inutile. Et ça aussi. Voilà, je pense avoir fait. Je me suis déjà pas mal vidé le stuff, c'est pas mal. Allez, on retourne en arrière. Donc, je vais réactiver le biome un petit peu comme un boulet. Le dragon, le but ultime de Minecraft. Préparez-vous au combat. Comme vous voyez, l'Under, on l'a trouvé. Et c'est parti!
Faites gaffe à pas y avoir trop l'inventaire full à ce passage, sinon vous manquez d'armure. Mais bon, comme vous voyez, il n'y a pas de cristaux. Under Dragon est un peu en fin de vie, mais on va quand même devoir le combattre et lui péter la gueule à ce dragon, parce que c'est un achievement de Minecraft. Et tant qu'à faire, j'essaye de faire des achievements les plus réalistes possibles, c'est-à-dire qu'il faut les faire de la manière la plus légite possible. Même si pour le Nether ce sera une commande, pareil pour pas mal d'autres trucs au final. Tu vas te prendre un dégât, oui. Ça qui est, ça c'est un problème avec le dragon. Soit on est excellent à l'arc et on bute en quelques secondes, soit on est un petit peu nul comme moi. Et faut attendre qu'il se rapproche et qu'il arrête d'avoir des trajectoires complètement random. Je me concentre. On lui fera sa peau à ce dragon. On lui fera. Le dragon va mourir. Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, bah passez à la vidéo 5 minutes plus loin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, j'ai pas eu une deuxième fois, c'est dommage. J'ai lancé une Under Pearl. Ah merde. Bon, tu me diras, ça m'a rapproché du dragon, donc je vais pas trop m'en plaindre. Et bon, si j'avais pu m'en servir à un but utile, ça aurait été pas mal. Je ne joue pas en Peaceful. Et je trouve ça assez étonnant qu'il n'y ait pas d'Underman à spawner. C'est peut-être le fait que je joue en facile. Vous jouez à la difficulté que vous voulez. À la map, ça, j'ai pas imposé. Quoique si, je peux imposer. Ah non, je suis en normal. Je m'en fiche en fait de la difficulté du monde, ça ne change rien, juste pas jouer en peaceful, c'est à base. Je déteste quand il fait ça. En plus c'est un quart, il lui reste 2 PV, il veut se casser à perpète. Bon, d'un côté je peux le comprendre. Et attention, dragon! Putain, enfoiré! Espèce de quart! Reviens par là! YOLO! Putain, il a un PV! Il a un demi-cœur, vraiment! Quand même! Ça, c'est pas une image qu'on voit souvent. Hein. Oh merde! Qu'est-ce que c'est que cette... Oh putain! Qu'est-ce que je fous là? Mais merde. Eh, FZP, où est-ce que je suis là? Ah merde, où est-ce qu'il est mort déjà? Eh ben, va falloir que je trouve. Il y a une flèche perdue ici. Ah, quand même. Voilà, le portail est ici. Je sais pas du tout pourquoi j'ai été téléporté ici. Il a jugé bon de faire LOL, SLT. Allez, hop. J'ai eu The End. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas vraiment envie de réessayer. Par contre, s'il y a un truc que j'ai envie de faire... Il y a un bonus au-dessus une fois sur 8, on va plutôt servir de celui-là. Allez, c'est parti. On peut se balancer des potions ici. Allez. Allez, je profite du bonus de la pomme cheat pour y faire le maximum de dégâts. Tout en étant à moitié sourd. Non mais arrête d'être comme ça. On t'est payé pour ça? FDP, reviens là. Oui, je pourrais l'avoir dès le début. C'est rare, hein, d'habitude je galère à mort à ce combat. Vite, c'est pas le moment de perdre. Oh! Ah, ça c'est pas joué à grand chose, j'aurais pu mourir, j'ai plus de régène. Et j'ai un Nether Star.
Et donc là, c'est le moment absolument palpitant. Il en faut 5. Oui, il faut préparer un petit peu son bacon. Ouais, ça prend du temps de cuire, hein. Mais bon, on va patienter pendant ce temps-là. On est obligé de patienter, hein. On peut s'occuper comment? Pense obstructant son spawn si possible. Allez, ça fait 10 minutes que je suis sur la map là. Mais en tout cas, je m'améliore parce que oui, forcément, je fais 2-3 tests avant, hein. Les participants, j'aimerais bien qu'ils le fassent en une seule fois, mais... Et moi, vu que je suis créateur de ma map, j'ai bien dû attester ma map. Hein. Hop. L'obsidienne. Ainsi qu'un beacon. On n'a pas encore l'achievement. L'achievement, on va l'avoir là. Beaconator, yeah. Beacon maximum, une bug de fer en sous compte aussi, faut pas le dire. Hop, nous voici à une vieille salle. On est de retour. Et on est parti. Et forcément là. Je baisse un petit peu le son. Du minecart. C'est long, j'ai rien à faire moi, lol. Et le pseudo il va changer. Hein, en fonction de ce qui fait la map. C'est vrai, 1 km en minecart c'est un achievement. Sérieux. Eh ouais. Bah ouais, vous avez pas épargné, hein, vous auriez pu vous en douter, hein. C'est LB, je te hais. Bon, j'ai tout fait en slash fill si vous posez la question. Par contre, j'ai dû le faire en 3 fois parce que ça allait dans la chaîne pas générée. On a bientôt fait un tiers là. On a fait un tiers, voilà. Ils sont réalistes mes messages dans le chat, hein. Non? J'ai reçu un commentaire d'I Play For You il y a pas longtemps. Et il a mis une de mes vidéos dans ses vidéos qu'il a aimé. Donc ça s'affiche sur la page d'accueil de sa chaîne. Tout en bas, mais quand même. Donc je suis fier. En ce moment, c'est un peu la gloire, quoi. Je suis content, j'ai vraiment bien réussi. T'as plein d'effets de potions, c'est rigolo. Dès qu'on atteint les 1000, c'est que c'est bon. Donc vu qu'on part un peu du point zéro, donc là on s'approche. Je vois la lumière sur quelques pixels. Ça se rapproche de plus en plus vite. Allez, allez, on tient de bon bout. C'est parti. Enfin, c'est parti depuis longtemps, tu me diras. Merci TeamSpeak. Va falloir que je désactive cette voix un jour. Attention. On a raid, enfin. Oh, c'est bon, c'est fini. On a réussi en 11 minutes et 54 secondes, la map est rejouable, et maintenant je vais défier d'autres youtubeurs. Il est pas si tard que ça quand même. Abonnez-vous pour la YouTube Money, lol, ça c'est mon côté enfoiré. Donc sur ce je vous dis au revoir, c'était CLB, CLB Live the Game. On a perdu tous nos achievements parce que voilà. Merci d'avoir relevé le défi. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo, donc je vais lancer les participations à deux youtubeurs plus connus que moi et à deux youtubeurs moins connus que moi mais que je connais un peu plus personnellement. Donc je lance le défi à Ifun, à Monsieur Nutella, mais également à Baban125 et Spiritwolf. Les amis, je vous contacterai pour vous en parler un petit peu plus. J'espère que ma participation vous aura plu. Enfin, ma participation, oui, du coup, je suis créateur. Et que ce défi vous plaît. Et j'espère qu'il pourra aller assez loin. Et j'espère que la map est suffisamment bien faite pour vous. Donc, sur ce, je vais vous remercier du visionnage. Et je vous en conjure à participer au défi, ce que j'ai nommé. Bref. J'espère que ça va bien marcher. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage. Et je vous dis au revoir. C'était CLB.